with students. If we have students coming from high schools who have studied in these textbooks that are, that have plenty of stereotypes, well, what is the role of the higher education teacher? Are you there to just come to your classroom, give your lecture and just leave? No, that's not a higher education professor. That's not the organic intellectual by Edward Said. So I think we all need to rethink about our roles. Sur ce, parce que c'est très beau ce que vient de dire Aïcha, je ne sais pas si sur ce on doit ou peut-être donner la dernière peut-être parole à la demoiselle là-bas qui voulait parler depuis tout à l'heure et comme la liste était... Alors la dernière question, après je donne la parole au professeur Hiri. Alors si vous voulez bien poser la question. Merci Monsieur le Président de m'avoir donné quand même la parole à la fin. C'est vrai que la plupart d'entre vous avez évoqué les principales questions. En fait, moi ce que je voulais dire, c'est nous sommes tous d'accord, je pense, aujourd'hui, que les manuels scolaires reflètent plusieurs stéréotypes. Ça a été dit dans toutes les langues. Nous sommes tous d'accord sur ce fait-là. Et en fait, moi, je voudrais juste revenir, parce que nous sommes à la fin de cette journée, sur les recommandations. Donc, professeur Fatema a évoqué, on va dire, le rôle, on va dire, de cette journée d'études. En même temps, le rôle des médias, j'aurais bien voulu voir les médias ici pour... pour filmer et relater, voir ça à la télé, parce que c'est important. Donc c'est aussi révélateur qu'il y a eu certaines réticences de la part des médias pour parler de ce genre de colloque intellectuel est très important. Les médias sont beaucoup plus présents dans des phénomènes où la femme, peut-être est en Arabie Saoudite ou dans des pays qui est en train de faire des travaux subalternes, je ne veux pas rentrer dans les détails. Par contre, quand on est en train de parler de sujets intellectuels qui sont très intéressants, les médias ne sont pas là. Ça d'une part. D'autre part, j'aurais bien voulu avoir aussi les représentants du ministère pour justement profiter de cette journée pour passer à l'action. Parce que c'est vrai qu'au niveau des manuels, on ne peut penser, c'est tout à fait flagrant de voir ces disparités, ces stéréotypes, ça fait des décennies qu'ils persistent dans nos manuels, et pourtant, on n'est pas encore face à l'action. Donc, dans les recommandations, ça serait bien d'impliquer pour les prochaines journées et les médias, et les cellules du ministère, pour qu'on puisse débattre ensemble. Il n'y a pas que les universitaires qui pensent, mais on pense ensemble. Voilà, donc je vous remercie. C'était Madame Michael Wassila, docteur en sociologie et professeur à l'université privée de Fès. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur. Alors, peut-être pour être aussi un peu optimiste, c'est que les séances de ces journées d'études, bien sûr, sont filmées. Et tout à l'heure, peut-être demain, vous pouvez les voir sur YouTube. Et je pense que les nouveaux médias, peut-être maintenant, sont une nouvelle chance pour établir des liens entre l'université et le commun des mortels. Alors, je donne la parole à professeur Hiri pour peut-être... pas plus dur. C'est pas des cadeaux. D'abord, je vous remercie d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt ces deux journées de travail intense,
auquel tout le monde a participé, aussi bien les intervenants, intervenantes que les étudiants, les étudiantes et tous nos invités. Quand je parle des étudiants et des étudiantes, je parle aussi bien sûr des doctorants, tout cycle confondu. Alors, je pourrais dire, pour commencer, que dans la constitution de nos séances de travail, nous avons pris en compte l'approche genre, mais cette fois en faveur des hommes. Parce que nous avons voulu également que des hommes soient des modérateurs. Comme il y avait une majorité de femmes, nous avons quand même tenu à ce qu'il y ait des hommes modérateurs. Première chose. Deuxième chose, je dois vous exprimer un désagrément. D'abord parce qu'il y a 4 hommes qui se sont absentés, dont un seul avec excuse. Les 3 autres hommes n'ont donné aucun signe de vie. Parmi les intervenants qui se sont quand même engagés à participer avec nous. Donc je pense que je pourrais dire que les femmes ont tenu leur parole et ont été présentes parmi nous. Est-ce que c'est parce que la question du genre les intéresse en premier lieu ou ce sont des questions, ce ne sont pas des réponses. Bien, alors, pour conclure sous de bons auspices, je pourrais dire que nous pouvons nous réjouir de l'excellence des communications et aussi de l'excellence de l'atmosphère qui a régné durant ces 2 journées. Nous avons établi des contacts, nous avons pu quand même impliquer avec nous des étudiants et des étudiantes, nous avons échangé, nous avons débattu, même des fois nous avons été pas tout le temps d'accord sur certaines choses, mais je peux dire que nous avons réussi le pari de jeter les ponts entre plusieurs disciplines et plusieurs champs de recherche. Alors, donc il y a eu effectivement une diversité dans les spécialités des intervenants et qui ont enrichi la réflexion sur cette problématique passionnante et passionnée. Nous avons parlé de la passion. Et l'un des professeurs m'a dit, oui, ça touche la société, effectivement. Est-ce qu'il est possible de dépassionner un petit peu la question du genre quand il s'agit de chercheurs? Point d'interrogation. On peut, à certains moments, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit dans l'une de mes interventions, il est difficile des fois de mettre des frontières ou de mettre un petit peu des barrières entre la recherche et le militantisme. J'aimerais aussi vous promettre qu'il y aura une publication. Alors, vous allez recevoir, tous les participants et les participantes vont recevoir un courrier dans lequel nous allons, la dernière date d'ailleurs de remise des communications va être fixée, ainsi que les normes internationales qui seront exigées pour que leur communication soit acceptée par un comité scientifique que nous allons désigner assez rapidement. J'ai parlé du désagrément. Je voudrais vous faire part de quelques recommandations que nous avons pu noter. En fait, ce sont des recommandations que nous avons retenues des différentes communications. Nous allons par la suite peut-être ajouter d'autres recommandations, revoir, comme l'a dit notre ami, où il est passé, M. Lachette. Oui, il est là. Comme l'a dit M. Lachette, nous allons revoir un petit peu les communications, la vidéo des communications, et nous allons certainement relever d'autres recommandations. Mais pour le moment, les recommandations qui sont revenues dans les interventions sont les suivantes. Vous pouvez après votre départ, je parle aux participants et aux participantes, d'ajouter d'autres recommandations à tête reposée et nous envoyer des recommandations parce que nous allons les faire parvenir
aux acteurs concernés, aussi bien les ministères que peut-être bien l'académie, la délégation, ce qu'on appelle actuellement la direction provinciale de l'éducation nationale. Donc, et je voudrais aussi préciser une chose, c'est que nous avons invité tous les ministères concernés. Nous avons invité le ministère de l'enseignement supérieur pour la recherche, hein, parce que nous faisons de la recherche, donc il est impliqué en premier lieu. Donc nous avons invité le ministre de l'enseignement supérieur, nous avons invité le ministre de l'éducation nationale et nous avons invité le ministère de la solidarité, de la femme, de l'enfant et bien sûr des affaires sociales. Mais malheureusement, sauf le ministère de la solidarité qui a été représenté par une femme et un homme qui sont venus justement représenter le ministère, dont un représentant est resté les deux jours. Mais sinon, les autres représentants ne se sont pas manifestés. Et je n'ai pas arrêté de contacter le président pour avoir des nouvelles, parce que c'est le président qui les invite, vu la hiérarchie, le protocole, mais nous n'avons eu aucune nouvelle. Donc, nous avons impliqué. Il y a eu, bien sûr, la directrice provinciale de l'éducation nationale qui est venue, qui a même prononcé un discours. Donc, nous avons voulu impliquer tout le monde. Nous avons passé l'invitation à certains, enfin, c'est vrai, pas tous les lycées de Meknès, mais quand même un bon nombre de lycées de Meknès. Quelques écoles aussi primaires. Des collèges. Donc nous avons essayé, si vous voulez, de faire un balayage le plus large possible. Il est vrai que bon, il y a eu des gens qui sont venus assister, des professeurs, des responsables, mais c'est vrai que nous aurions espéré mieux, une implication plus importante pour que les débats représentent mieux les acteurs locaux. Les médias, nous avons invité des médias. Malheureusement, la deuxième qui nous avait vraiment promis d'être là n'a pas été là. Donc, vous savez, il est très difficile actuellement, même avec une question comme le genre, de susciter l'intérêt chez les gens. C'est très difficile. Mais je suis très satisfaite de la présence de vous tous et vous toutes. Parce que pour moi, c'est largement suffisant pour que le message passe. Je compte beaucoup sur vous, donc le reste n'a aucune importance. Bien, alors je commence par une première recommandation. C'est celle qui consiste à dire qu'il faut faire valoir l'approche genre dans la constitution des commissions d'élaboration des manuels scolaires, c'est-à-dire intégrer des auteurs femmes pour participer à la conception et à l'élaboration des manuels scolaires, même ceux de l'éducation religieuse. La femme est capable de s'approprier le discours et le savoir religieux. Deuxième recommandation, c'est celle qui incite à créer un comité de vigilance pour contrôler, si vous voulez, le travail des éditeurs et veiller à la pluridisciplinarité des commissions. Alors, on peut voir des spécialistes comme les sociologues, les philosophes et aussi la participation des associations des droits de l'homme et de la femme, de l'enfant, du handicapé, des spécialistes de la linguistique, de la sociolinguistique, de la théologie, c'est-à-dire tous les champs disciplinaires sont sollicités pour faire partie de ces commissions. Troisième recommandation, c'est oser rompre avec certaines interprétations désuètes du Coran qui se sont avérées fausses, voire portant préjudice à l'islam. Je suis à la quatrième, suivez avec moi. Je suis à la quatrième recommandation, c'est prévoir un enseignement qui éduque à la culture de l'égalité des genres, un enseignement, un module, ça peut être à l'université un module, prévoir un enseignement qui éduque à la culture de l'égalité des genres pour tous les cycles de formation, primaire, secondaire et supérieur. Il faut qu'il y ait un enseignement indépendant, qu'on puisse avoir quelque chose, l'éducation à l'égalité
un enseignement qui s'intitulerait de cette façon-là. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un enseignement, mais dans certaines interventions, il y a eu cette idée de former également le corps enseignant. Parce que les enseignants aussi ont besoin d'être formés à la culture de l'égalité des genres. Certains ne le sont pas, enfin, je dis, un bon nombre ne l'est pas. La majorité. La majorité, bien. Le même module en CMF. Exactement. Pourquoi pas? Il faut y penser. Alors, il y a également, pas seulement les enseignants, excusez-moi, je reviens un petit peu sur ce point, pas seulement les enseignants, mais aussi le personnel administratif. Parce que dans la gestion administrative, il faut prendre en considération également le genre. Alors là, sixièmement, parce que là c'était former les enseignants, c'était la cinquième, donc sixièmement, repenser la conception aussi bien du point de vue contenant que contenu des manuels du primaire en pensant, alors là c'est un point très particulier et je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est Bouchra, elle est peut-être partie, Bouchra Benzela, qui a fait allusion à un point très important, c'est celui des couleurs des vêtements des filles et des garçons. Il faut penser à égayer chromatiquement les couleurs des élèves, le noir, le gris, et puis surtout, oui, surtout, elle a beaucoup insisté, et là je le dis bien, sur la qualité des illustrations. C'est des qualités, les illustrations ont très mauvaise qualité. Pourquoi ne pas penser à améliorer la qualité des illustrations, à mettre un peu plus de couleurs? Je ne dis pas le rose pour les filles et le bleu pour les garçons, ce n'est pas du tout à ça que je pense. Mais à mettre un peu de couleur pour égayer un petit peu ces livres. Parce que ce sont des enfants qui lisent ces livres et qui vont travailler sur ces livres. Autant les égayer, les rendre un peu plus esthétiques sur le plan chromatique. Et aussi, donc, une autre recommandation, c'est celle de montrer des illustrations des femmes aussi. Au niveau de tous les métiers, parce que moi je pense qu'on pourrait montrer une femme, pourquoi pas une femme pilote, une femme pompier, une femme chauffeur de taxi, une femme boucher, c'est-à-dire tous les métiers pour que les enfants quand même s'habituent un petit peu, c'est un processus d'apprentissage. Donc il faut que les filles et les garçons quand même prennent un petit peu ou soient sensibilisés à cette égalité au niveau de genre. Ensuite, il faut représenter la mixité des jeux. Quand on montre un jeu, on ne va pas montrer toujours les garçons qui jouent entre eux, les filles qui jouent entre elles, mais essayez quand même de voir une certaine forme de mixité dans tous les sports confondus. C'est vrai que pour le foot, ça va être un peu difficile, mais pourquoi pas dans d'autres sports les montrer côte à côte en train de faire leur comment dire, de faire leur sport. Donc je pense que c'était un peu je ne sais pas s'il y a d'autres recommandations qui nous ont été on va voir ça par la suite, d'accord. Oui, donc là je pense qu'il y a une recommandation qui me semble intéressante, c'est de travailler toujours en synergie, et ça je pense en synergie avec tous les acteurs, aussi bien politiques, sociaux, que sur place, les représentants des ministères sur place. Et je peux vous dire que notre rencontre a été un succès grâce à vous tous, grâce à l'implication de vous tous et toutes, et que je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être resté là jusqu'à la fin et d'avoir participé activement aux discussions. Et je pense que nous pourrons aussi, peut-être dans notre publication, essayer de sélectionner, de prendre quelques questions et réponses que nous pouvons aussi faire figurer dans notre publication. Je vous remercie et espère vous voir dans l'avenir proche pour d'autres activités de notre équipe TALIT. Je remercie beaucoup le comité d'organisation
qui a énormément fait pour que cette rencontre réussisse. Je remercie tous les présents et les présentes, et je remercie tout particulièrement Madame Zahachkrouni, qui est là, ancien ministre, mais aussi ancien ambassadeur. Ambassadeur au Canada et professeur. Elle est restée professeure pendant toute sa carrière avec beaucoup d'humilité, de modestie, et elle restera professeure chercheur. Je la remercie beaucoup parce qu'elle est venue exprès de Rabat pour assister avec nous cet après-midi malgré ses occupations, ses diverses occupations. Nous la remercions du fond du cœur et je vous souhaite un bel avenir de recherche et beaucoup, beaucoup de joie dans ce que vous entreprenez. Et merci beaucoup.